Bonjour les potos, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une vidéo de Supra, je sais, mais on est avec la limousine. En fait, je suis en ce moment donc aux États-Unis avec toute la team. On fait notre petit road trip en limousine. Bah, c'était le moment de sortir la vidéo de la Supra. Alors, c'est une Supra toute d'origine. C'est la première fois que j'en essaye une. Je me suis régalé. Mais avant qu'elle commence, il faut que je vous dise que cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Alors, Car Vertical, pour ceux qui ne connaissent pas encore, eh ben, c'est tout simple. Vous prenez la plaque ou le VIN d'un véhicule. Vous le mettez dedans et puis ça vous donne tout l'historique avec ce qu'il y a des photos, combien de fois ça a été vendu, est-ce que le kilométrage est toujours correct, est-ce qu'il y a eu des accidents, est-ce que voilà, toutes ces informations-là, ça marche en Europe et en Amérique du Nord. Alors par exemple pour cette limousine, on a un historique de photos, elle a été vendue beaucoup de fois, on peut voir même qu'elle a été vendue 90 euros. Elle a subi un accident, ça n'a pas l'air trop grave, en tout cas on n'a pas vu les séquelles, le kilométrage n'a pas été bidouillé. Voilà, on a vraiment beaucoup d'informations. Alors ça peut arriver que ça ne fonctionne pas ou qu'il n'y ait pas d'informations sur un véhicule. Ben, ça c'est pas grave, vous leur envoyez un petit message et puis vous rembourse. Toutes ces informations, elles viennent des assurances, des centres de contrôle technique, des garages, etc. etc. Donc ces informations qui sont en général très fiables. Il y a même les sites de petites annonces maintenant qui coopèrent avec Car Vertical. Je vous le conseille fortement. Parce que quand on achète une voiture un peu spéciale comme une américaine, par exemple la limo qui est là, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Mais ça marche aussi très bien sur des Clio, etc. Il y a aussi beaucoup de mauvaises surprises. Donc vraiment, c'est un truc que je vous conseille. Le code promo SwitchRiders qui est dans la description vous donne 10% de réduction. Allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, plus vous cliquez, plus ça nous aide à faire plus de contenu, à faire plus de conneries aussi. Allez, merci les copains. Et pour le mot de la fin, mot de la fin. Bienvenue dans cette vidéo d'ASMR pipi. Sylvain aime beaucoup faire pipi dans l'herbe. Ça va toi? Oh purée, oui ça va. Nickel. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? On est sur le circuit de Christophe Vaison au Creusot. Magnifique ville du Creusot. Et on est en présence d'une... En compagnie de cette magnifique Toyota d'une Supra. D'une légende, enfin d'une autre évidemment parce qu'on vient de parler de toi. Mais Toyota Supra. Ouais. MK4, c'est biturbo. Biturbo RZ, JDM, Japan RZ, Domestic à ne pas Market. Avec MRZ. Exactement. Ça c'est pour les 206. C'est quelle année? Ça fait quel poids? Ça fait quelle puissance? Celle-là, elle est de 1997. D'accord, donc on est au milieu de la vie de la Supra à peu près. C'est une version sport. Donc le RZ c'est sport? Le RZ c'est sport, ouais. La version de base c'est la RZS. Juste d'accord. En dessous. Donc soit eux ils ont tout fait à l'envers, ouais. Soit nous on est... C'est des japonais, on peut pas... Donc, voilà. En l'occurrence on retrouve des jantes 17 pouces. Et tu sais qu'elles sont tellement moches, parce que d'origine c'est moche. Ouais mais non parce non. Que en fait maintenant c'est plus moche. Oui si. À en l'époque fait, c'était moche. Non à l'époque c'était beau, juste après c'était tout de suite moche. Et maintenant c'est rebeau. Et là c'est rebeau parce que c'est vieux. Parce que c'est et rare vintage. Et c'est cher. Vintage. Exact. C'est comme tu vois par exemple une E30. Une boîte à chaussures c'est avec des ça. Roulettes qui vaut oui. De l'argent. C'est ce qu'on disait il y a deux minutes, c'est qu'en fait, ça c'était une grosse bagnole à l'époque. À l'époque, ouais. C'était une très grosse voiture. Et ouais, maintenant, tu mets ça à côté d'une GTR, ça fait la taille du coffre. C'est pas si gros que ça, une Supra, quand tu regardes. Ça fait quelle taille? Ah ah. Ah, ça fait bien ces 4,50 m, je dirais. 4,50 m. Ouais, comme ça. Alors, longueur. Putain, il est bon. Combien? 4,52 m. Eh hey. Elle a des gros freins celle-là, d'origine, donc on a du 4 pistons et franchement c'est, ça freine plutôt pas mal, hein. C'est vraiment surprenant. On n'a pas parlé, on a parlé de des dimensions, de le poids. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. C'est de la tôle Toyota, donc c'est épais. À vide, 1620 kg. Ouais, donc ça fait sa jolie tonne ça 7. Ça fait quoi. Une bonne tonne 7, voilà. Ouais, enfin avec nous deux dedans un peu plus quand même. Ouais, surtout moi. Alors regarde, attention. Tu vas faire quoi là? Je vais ouvrir la lame avant. Oh waouh! Et ça change tout, hein! Ah ouais, j'avais jamais vu marcher! Attends, je vais la fermer, je vais la rouler. Vas-y, vas-y, on va jouer avec bien une petite bonne demi-heure, là! On a beaucoup parlé de. C'est parce que voilà, ça vieillit quand même pas mal. Tu veux jouer le capot? J'aimerais bien qu'on voit ce qu'il y a dedans. C'est un 4 AGE! Putain, alors c'est vraiment, je dégueule. Je te jure que je vomis dedans. Wouah! Un 2JZ! Donc c'est un vrai. Voilà. Un vrai biturbo. Ça, ça fait plaisir, on n'a plus beaucoup. Ah, il y a des petites modifications quand même là. Toujours une petite dump valve quoi. Voilà, c'est tout. Petite dump... Ça va qu'elle est discrète quand même. Bon, à part ça, ça reste quand même bien d'origine tout ça. Oui, oui, oui. Alors, j'apprécie beaucoup le 2JZ non VVTI. Tu sais pourquoi? Non. Parce que ça fait une source de panne. Ah oui, oui. Mais c'est vrai que les VVTI, bon, maintenant on les gère très bien. Les gestions sont super bien gérées avec les VVTI. Il y a 15-20 ans, en fait, personne n'en voulait parce que les mappers savaient pas s'en servir. Ouais. Mais c'est vrai que ça apporte quand même du couple, beaucoup. Bah en bas, tu sais, le, tu récupères là où, en bas là où tu et souffres. Tu gagnes. Ouais. Là où t'as l'alarme à l'œil parce que soi-disant il y a un lag, je sais pas quoi. T'as vu la batterie, enfin,
Là, le centrage des masses est... Le centrage des masses, c'est vraiment... Ouais, c'est... Ils s'en foutent, quoi. Ils en ont rien à foutre. Alors, faut savoir qu'en fait, tout le poids de la voiture... Est là. Est là. À peu près. Ce qui est amusant, c'est que le coffre... Alors, on va faire comme dans Turbo, on va regarder la taille du coffre. La taille du coffre ? Allez, on y va. Le coffre, il est ridicule. Et en fait, quand on a regardé dessous, c'est tout vide. Regarde le coffre. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attends. Attends. J'ai jamais vu un coffre d'origine de Supra. Attends, quoi ? Mais c'est quoi cet enfer ? Tu mets quoi là-dedans ? Rien. C'est catastrophique. Parce que, attends, si par exemple, tu t'embrouilles avec un pote. Ça rentre ou pas ? Attends, ah ! Non, il y a mon nez. Ouais, bon après j'ai pas le plus petit nez hein. Tu peux même pas mettre quelqu'un dans le coffre. Ou alors faut mettre quelqu'un de japonais. On va retourner vers le moteur, c'était vachement plus cool. Alors combien de chevaux cette histoire ? Bah au Japon elles étaient bridées à 280 chevaux. En Europe du coup elles faisaient la puissance normale donc 330. Ouais. Là il y a un petit peu de boost en plus, elle souffle à un bar, elle est à 400 à peu près. C'est un des moteurs les plus faciles à faire prendre de la puissance. Il y a un truc qui se fait beaucoup aussi, c'est de passer en single turbo, c'est-à-dire de virer le système de biturbo complet, entre guillemets un petit peu marketing, même si pour l'agrément sur la route c'est quand même agréable. Et le truc qui est cool avec ce moteur, c'est que t'es pas du tout obligé de forger. Non. Jusqu'à 600, ouais, 600. Même 800 moi j'ai vu. Hein. Déjà 600 chevaux dans un moteur stock. C'est absolument débile. Bah, 600 chevaux avec un châssis stock. C'est complètement con. Ah ben là, c'est du suicide. Faut y aller. Hein. C'est pour ça qu'on aime bien. Voilà pourquoi le 2JZ est une légende, hormis Fast and Furious. À l'intérieur, il est un peu fatigué. Sur le bon point, pour un intérieur fatigué, on dit dans son jus. Dans son jus. Enfin, il est vraiment dans son jus, quoi. C'est pas grave. Jugez pas trop. Des sièges sont usés, c'est ça ? C'est ça. C'est du cuir japonais Sky sur tissu. Mais à part ça, parce qu'on s'en fout. Il y a déjà. Il y a des places derrière. Tu peux y aller, s'il te plaît. Allez hop, on est très très bien. Franchement, on a vu pire. Ouais, on n'est pas loin du pire parce que je peux même pas me mettre au fond du siège là. Oui, mais on a vu pire. On a vu des Porsche. Je pense que c'est pour mettre des gosses. Parce que de toute façon, tes gosses, tu peux pas les mettre dans le coffre. Ça rentre pas. Avion de chasse quand même. Oh putain, ouais. Avion de chasse quand même. Alors, il y a un petit Manon qui est pas d'origine là. Oh putain, j'avais jamais fait gaffe ça aussi. Les voyants, ils sont là. C'est vraiment K2000. Oui. Hein. Ils ont vraiment fait K2000. Ça. Est-ce que K2000 est sorti avant la Supra ? Moi j'ai toujours cette impression dans cette voiture. Bon bah ouais, c'est tout ce qu'on a à dire sur l'histoire de cette voiture. C'est quoi qui l'a rendu si cool aux yeux des Européens ? Parce que je te rappelle la petite blague. C'est Grand Turismo surtout. Hein. Quand les gens voient une Supra maintenant. Oui c'est... Ah, tu veux pas le faire ? Déjà Supra ! Yes. Voilà. Mais ce qui est terrible, c'est que quand on s'est baladé pour faire des shootings, ouais, les gens... tu te balades dans la rue bah oui. Et t'entends des mecs qui font oh, is that the Supra ? Ah oui, c'est l'icône cette bagnole. Et sa principale concurrente, c'est quoi ? Moi je dirais que c'est les Nissan GT-R. Les Nissan GT-R. Ouais, parce que c'est exactement le même usage. C'est-à-dire que c'est les voitures où c'est trop pour la route, c'est trop pour le circuit, mais ça fait à peu près bien tout. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui en connaissent pas trop sur les Nissan GT-R ? Là depuis tout à l'heure, je lui tends des perches de 17,50 m pour qu'il nous sorte le Vulcan qui est posé sur le pare-brise à côté. Là, de lui. Il est là. Là. C'est bien, hein. c'est notre petit. Heureusement dernier. Que tu bosses pas chez eux. Donc il est dispo là. Oui, il est dispo. Il est dispo vous où pouvez le commander sur le site www.vulcan-mag.com. Voilà, et si vous trouvez pas, vous composez le 01 4720 0001. Ouais, ah ouais, j'ai marqué quelques conneries dans celui-là. On a eu le champion de France qui nous a fait un édito. Ouais, et puis j'avais pas bu rien. On n'a pas parlé de prix. C'est vrai, c'est vrai. On n'a pas parlé du prix des Supra aujourd'hui. Alors les prix sont en train de flamber. Hein. Une biturbo, boîte manuelle, française, avec volant à gauche. Non, on est entre 60 et 80 000 non, euros. Plus que ça maintenant. Plus que ça 80 maintenant. 100 000 euros. Ça fait beaucoup plus que ça maintenant. Celle-là, du coup, je pense qu'on est pas. Là, on est sur une conduite à droite. Conduite à droite. Mais boîte méca biturbo. Ouais. On va être autour toute de origine. 45. Et si on allait l'essayer ? Et si on allait l'essayer ? Parce que là, on est sur le circuit, mais ce on serait mieux sur d'aller le circuit, rouler. Mais ce serait vachement mieux si on roulait, par exemple. Bon,
On va jouer à Gran Turismo ? C'est ça, on joue à Gran Turismo en vrai. Allez. Je sais pas si je dois avoir peur ou pas. C'est très très vintage. Alors il faut pas faire beaucoup de tours, hein. Donc on va faire un tour. Alors pourquoi ? Bah parce que t'as tout qui prend de la température très vite. Comme ouais. tu disais, c'est vraiment une GT, donc c'est pas fait. C'est pas vraiment fait pour cet exercice là. Après la caisse donne beaucoup de sensations, donc c'est assez sympa, mais je dépasse pas un tour parce qu'après on sent qu'on fait du mal aux pneus. Ouais, aux freins. Voilà, j'ai pas du tout. Forcément. Envie. Quand tu veux, hein. J'ai déjà peur. Passager, quand tu filmes, ça fout la vie après. Ouais, carrément. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant comment c'est possible que. Et en fait, je suis en train de chercher quelle voiture de à peu près la même génération. Quand je dis à peu près, c'est dans la vingtaine, trentaine oui. d'années, dans toute cette génération de bagnoles là, quelle voiture d'origine peut rouler aussi vite sur un circuit avec autant de sensations en fait. Ouais, parce que surtout les sensations. On n'a ouais. pas pris de chrono, on ne fait pas de chrono, non, non, non. voilà pour ça. Mais en termes de sensations, moi j'ai l'impression d'être dans une voiture de course en fait. ça pousse. Les sensations moteurs sont très très fortes. Parce que le moteur a un peu de lag et du coup quand la puissance arrive, vraiment t'es vraiment collé au siège. Ah bah ouais, ouais. C'est assez rigolo quoi. Le mieux c'est quand tu conduis de nuit. Là c'est incroyable mec. L'ambiance à l'intérieur. Bah c'est ça, une Supra de nuit. C'est assez fou. C'est marrant, t'as oh, ouais, 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 tu freines à quelle heure là? Non mais sérieux. Ce passage là il est terrible. Ah là 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 là. T'as la poussée que ça prend, ça. C'est quoi wow. La troisième, elle s'envole, c'est un truc. Mais voilà. Il y a quoi? Il y a 400 chevaux, mais t'as ouais. l'impression qu'il y en a 800 tellement c'est. Les sensations qu'il y a. Je vais bientôt dégueuler, quoi. Hein. Là, tu vois, quand tu sais, tu commences à transpirer, mais limite, je suis pas loin de mousser, en fait. Oh putain. Oh, je suis dans le mal. C'est rigolo ça hein. Ah ça te fait rire hein. Bon ça, tu vas l'essayer maintenant. Ouais. Attends, enfin, tu te remets deux ouais, minutes ouais. Et puis tu l'essayes après. On était en train de taper une grande barre de rire. Parce que la position de conduite elle pue la merde. On est pas mal là hein. On est ultra mal. Par contre l'effet enveloppant là, ouais, le tableau oui. de bord, ça fait vraiment. Tu sais les mauvaises séries de quand t'es gamin sur les avions de chasse. Oui. Supercopter. Ouais, ouais, je vois. C'est pas un avion, mais c'est pareil.
mais ça fait vraiment cet effet là. Mais il est sérieux lui. C'est marrant parce que ça l'a... Ça l'a... Le petit coup de pied au cul là du turbo là. Oui. Et ben ça la place. Oui. Mais pas trop hein. Mais ça tient quand même. Mais oui. Ça referme très fort. Qu'est-ce que t'as peur toi en passager? Non mais, attends, ça. Regardez-le, il est en boule le Il passe 100 km/h plus vite. Écoute, c'est quoi? En fait, ça se conduit pas si c'est facile. Mais oui, c'est facile. Mais en fait, c'est une voiture qui aime à ce qu'on soit sauvage avec elle. Tu vois, la mienne, qui est une voiture complètement drift, donc qui a rien à voir un peu avec l'origine quand même. Hein. Mmh. Mais elle marche que comme ça. Elle te pardonne rien du tout. Et plus tu lui en mets dans la gueule, plus elle est contente. Mmh. Non, c'est vraiment cool à rouler. Hein. Disons, voilà, on n'est pas sur un dîner aux chandelles. Non. On est vraiment sur un tirage de cheveux. <quoi. rire> Ah, tu sais quoi? J'ai réussi à me filer la gerbe moi-même. Eh ben, tu sais quoi? Merci bien. Quel kiff quand même. C'est un bonheur ces voitures. Bon Sylvain, j'ai failli vomir. T'as failli pleurer? J'ai surtout failli pleurer, ouais. Petit débrief là des sensations. Ouais, les sensations elles sont folles. Franchement, t'emmènes un enfant dans une Supra comme ça, il en prend plein la tête et il devient fan pour 20 ans. Johan, il a beaucoup de mérite pour avoir cette voiture là parce que c'est vraiment la voiture qu'il chérit et qu'il garde depuis des années. Ça fait des années qu'il l'a. Okay. Il l'a refait petit à petit au fur et à mesure de ses moyens, etc. Donc vraiment, il a vraiment beaucoup de mérite. Pour moi, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il faudrait aujourd'hui des gens qui gardent ces voitures là pour vraiment les remettre en bon état et ils les utilisent quand même. C'est-à-dire qu'ils partent quand même en vacances. Tout l'inverse de ce que je fais. Voilà, c'est ça. D'accord. Souvent les puristes ils me disent putain mais t'as te rends compte ce que t'as fait à une voiture aussi cool et tout. Ben non parce que souvent c'est des bagnoles en fait qui sont propres, il n'y a plus rien à en tirer. Ou alors c'est juste des châssis, on a mis des pièces dessus. Et le fait que justement ce sont des voitures qui vivent encore dans certaines disciplines, genre le drift, c'est ça qui fait qu'elles gardent aussi de leur attrait. C'est ça. Si en fait personne n'avait rien fait avec ces voitures, personne les avait cassées, personne les avait modifiées et tout, mais pourri en fait. Personne n'en aurait rien à foutre. Mais par contre en sensation, ouais, franchement. Ouais, c'est à la folie, le moteur il est incroyable. Et surtout. Le suspense. Oui. Le suspense. Le suspense. Tu comptes 1, 2 et... Ouais. C'est vrai que c'est assez long. J'avoue que j'avais pas trop essayé d'origine. Ouais. Le lag, il y a 3 fois plus de lag que sur la mienne avec un gros turbo. Ouais, ouais, mais ça m'étonne pas. Le châssis. Le châssis, en vrai, il est pas dégueulasse du tout. C'est japonais, c'est-à-dire que les mecs, ils ont fait ça bien, quoi. C'est bien fait. C'est cohérent. C'est cohérent, ça freine, ça tourne. Tu peux pas pivoter à basse vitesse comme une GT3 ou comme certains trucs, mais honnêtement, c'est pas ridicule, quoi. Elle est pas complètement aux fraises, la voiture. Tu peux en faire un truc... Est-ce que tu penses qu'avec une belle prépa grip, sans abuser sur les chevaux, c'est comparable à une européenne? Par exemple, une Porsche. Ah, mais largement. Largement. Alors, juste au cas où, si quelqu'un dispose d'une GT3 RS et d'une Supra toute préparée et qui veut qu'on les compare parce qu'il n'y arrive pas, il est tout seul, c'est sûr, tout seul comparé de votre voiture, c'est chiant. N'hésitez pas. on peut s'en charger. Voilà. En tout cas, moi j'ai kiffé. Vraiment, merci parce que j'avais jamais conduit une Supra d'origine. Conclusion. Abonnez-vous à Vulcan. Oui. La Supra fera partie de la saison 3. Donc la saison 2, on retrouve la GTR. Il faut absolument la voir quand on aime les japonaises, celui-là. Dans la saison 3, il y aura la Supra. Je pense que de mettre ces deux numéros-là sur la même étagère, c'est la classe. Eh ben, merci. Des nouvelles bientôt. Pensez à vous abonner à Vulcan. Bien sûr, très bientôt. Le magazine, les réseaux, tout est dans la description comme d'habitude. Voilà. Et puis à la prochaine. Et puis bisous. Ouais, ciao, ciao. Allez, ciao, bye.